Mes beaux-parents meurent d'envie de te connaître, papa. Monsieur et Madame Limoux-Péricard, papa. Mon futur beau-père est recteur de l'Académie de Nancy, agrégé de lettres classiques et féru d'histoire. Oh, féru... gineuse. Bonsoir. Sa cousine Germaine, Béatrice de Montmirail. Bonsoir. Enchantée, madame. Bonsoir. Bonsoir. Et monsieur et madame... Oui, les employés d'Hubert. Qui ne resteront pas avec nous pour dîner. Morte couillon, fait poire et paille. M'excuse, mais c'est l'autre gland qui s'appelle Louis. Moi, c'est Ginette Sarclay. Enchantée, madame gland. Oh, Barclay. Parce que pour être employé, il faudrait d'abord être raqué. Je voudrais te présenter mon fiancé, Benoît. Bonsoir, monsieur, très honoré. Ah, jeune puceau, sois vigoureux et tâche de t'employer dès la nuit de noces à besogner ta bien-aimée pour qu'elle nous donne un bel héritier mâle. C'est original. Longue vie aux amoureux. Longue vie aux amoureux. Hubert a toujours été très toast. Glu, 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 glu. Ah, la goulayant de village. Ah. Dis-moi, la nana, que fais-je donc, hein, lui ni chez les Montmirail? Ben, je ne sais pas ce qu'on a été te raconter, mais c'est sûrement très exagéré. Tu n'as pas à te justifier. Je suis désolé pour cette scène déplorable. C'est vrai qu'il a pas traîné à remplacer papa. Philippine! Philippine, ta gueule, te mêle pas de nos affaires. C'est un monde de trop, le bourguignon, je vais te défenestrer. Oh, saut de bourguignon. Oui, lâchez ce canut. Je te supplie, papa, ne gâche pas ma soirée. Oui. Fais-lui grâce, s'il te plaît. Sois magnanime. Oui. Tu es chanceux. Nicole et Bernard, maintenant je suis navré. Oui. Hubert, tu sors d'ici immédiatement. Je vais faire venir le notaire demain matin, avant le mariage, et je te rendrai tes bijoux. Comme ça, tout sera réglé entre nous, nous n'aurons plus rien à nous dire. Je ne te cherche point, querelle. Oh, mes fesses. Et tu comprendras qu'après le cirque que tu viens de faire, je n'insiste pas pour te garder à dîner. Certes. Et si je peux me permettre, laisse-moi te dire que tes amis ne sont pas chouchous. Monsieur, dame. Béatrice. Vraiment, ravie de vous avoir rencontré. Adieu, gentille dame et fourre damoiseau. Très original. Plutôt frisqué comme accueil. Oui, enfin, ce n'était pas très adroit non plus, le castanier, le duc de Luynes. C'est un félon. Un sale bourguignon qui pue la merdasse. Restez correct, monsieur. Oui. Mène-nous vite à ton gîte, j'ai grand faim. Oh ouais, passons à la pizza hutte de Ponton-les-Roberts. Moi aussi, j'ai les crocs.